Hey yo les potes, c'est Pimpin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infinite Warfare dans le multijoueur cette fois-là. Et tout simplement pour vous donner mon deuxième avis, voilà, par rapport au multijoueur. Je vous avais posté une vidéo sur ma toute première game, voilà. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était sur la même map que celle-là, Throwback. Ouais, il me semble bien que c'était ça. Alors, la différence qu'il y a avec ce gameplay-là et celui de ma première game, c'est que celui-là, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un hardcore. Voilà, tout simplement parce que j'ai l'impression que le hardcore dans ce jeu, il est quand même beaucoup plus... il est moins bullshit, on va dire, que le mode standard. J'ai l'impression que, voilà, le mode hardcore, tu touches mieux, voilà, tu touches mieux, ton shoot, t'as l'impression qu'il est un peu mieux. Je sais pas, après, c'est mon avis, après, je sais pas. Donc voilà, une petite game en MMA hardcore, tout simplement, avec la NV4. Pourquoi je prends la NV4 en hardcore? Tout simplement parce que, voilà, les tirs au jugé avec la NV4, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un monstre. Voilà, il y a, pour moi, c'est la meilleure arme du jeu, un tir au jugé, cette arme-là. D'ailleurs, vous allez le voir dans la partie, là. Il y a 2-3, comme là, je crois. Ici? Non, ah non, c'est pas ici. C'est un peu plus tard, au même endroit. Je vais faire une petite doublette, voilà, tout au jugé. Mais c'est vraiment... cette arme là, je trouve que c'est le feu. Pour moi, c'est une des meilleures armes du jeu. Voilà, là, par exemple, un exemple de tir au jugé. Après, voilà, là, je vous dis, je suis niveau 29, je crois, dans cette game là. Je me rappelle plus trop. Voilà, ça fait un jour ou deux que j'ai. Voilà, la doublette au jugé, je vous parlais. Ça fait, ça fait peut-être 2 jours que je l'ai rec, ce gameplay là. Mais non, franchement, c'est. Le mode hardcore, je trouve qu'il est mieux que le mode normal, voilà. Après, c'est mon avis perso, dites-moi en commentaire si vous êtes du même avis que moi, mais je sais que je prends beaucoup plus de plaisir à jouer en hardcore qu'en normal. Après, la différence aussi qu'il y a en mode hardcore avec le mode normal, c'est on n'a pas le petit plus 100 et tout qui s'affiche quand on a tué un ennemi. Voilà, là par contre je me suis fait bullshit là. On n'a pas le petit plus 100 comme on a... en mode normal, on n'a pas... Si, il y a le tir allié, mais le tir allié, c'est plus le même que dans les autres codes. Parce que dans les autres codes, quand on tue un ennemi, il était mort, quoi, tout simplement. Et au bout de 3, on se faisait exclure. Sauf que dans celui-là, en fait, ils sont partis du principe du ricochet. Donc voilà, en fait, tu tires sur un allié, et c'est toi qui crèves, tout simplement. Donc ça évite tout simplement... comme j'ai pu rager plusieurs fois sur Black Ops 3, qu'un allié te bute pour te piquer ton collier stratégique ou pour te niquer dans ta série, ou voilà. D'ailleurs, je vais en faire un tir allié dans cette partie là, je crois, parce qu'il y a un pote qui est sorti de nulle part et puis du coup il m'a surpris, j'ai tiré, je suis mort comme un canard. Vous allez voir d'ailleurs. Ouais, après, j'ai pas grand chose à dire sur cette bêta, non, c'est fini là. J'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Je prends du plaisir à jouer avec la team. Il y a moyen de faire vraiment des jolis gameplay. Après, faut tomber aussi sur les bons salons, quoi, c'est sûr. Si on tombe sur les salons, entre guillemets, d'enculés, hein, j'ai envie de dire. Je pense que ça arrive un peu à tout le monde. Ou là, t'as juste envie de rage quit et puis de vendre la console. Mais non, mais il y a quand même beaucoup de salons où je prends plaisir. Que voilà, les joueurs en face, ils jouent pas trop leur salope. J'aime bien. Non, franchement, c'est. Et là, par contre, j'ai fait un hit marqueur au pote. Ça m'a ricoché. Moi, j'ai pris un hit à la place. Voilà. Entre autres. Non, mais c'est... Voilà. Après, je m'attendais à pire. D'après tous les commentaires, tout ce qu'on a pu voir et tout, avant que le jeu sorte, je m'attendais vraiment à pire que ça. Et je suis vraiment... on va dire agréablement surpris de ce jeu. Après, je vous cache pas, on est dans le premier mois de la sortie. Il va sûrement avoir des modifications. Voilà, par exemple, ce genre de campeur-là, c'est le genre de mec qui ruine le jeu. Mais voilà. Heureusement, on arrive à les décamper de temps en temps. Voilà. Voilà. La campagne aussi, si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. La campagne est vraiment magnifique. Je vais vous faire l'épisode 2 d'ailleurs de la campagne là prochainement. Ça va pas tarder. Peut-être
Il sortira peut-être demain ou après-demain, je sais pas trop. Faut que je vois avec avec le petit YoYo comment il compte sortir ses vidéos à lui. Parce que si vous savez pas, le petit YoYo, lui, il a vidéo des Let's Play Tomb Raider et de Xenoverse 2 à vous sortir. D'ailleurs, ça fait plaisir parce que je vois que vous aimez beaucoup ses vidéos à lui. Et vous avez raison parce qu'il le mérite. Il travaille bien ses vidéos. Il le mérite vraiment. Voilà, le mec qui campe pour la fenêtre, oh, c'est affreux ça. J'ai Mais identifié non. Ah oui, puis je sais pas, en fait, voilà. Ce que vous en pensez, vous, des petits défis là. Vous voyez, comme moi j'ai un haut à droite là, 21 sur 25. C'est mes tirs, c'est un défi que j'ai hein, pour me débloquer des. Monter en niveau dans mes brigades. Non, mais ça, je trouve ça, c'est sympa. Ça fait un petit challenge en plus, on va dire, au jeu. Après, c'est pas tout le temps évident, hein. C'est chiant des fois quand ils disent avec des charges tactiques mercenaires, synaptiques, je sais pas quoi, des fois je me perds les pédales, c'est casse-couille. Non, moi je prends les trucs les plus simples, vous voyez, comme les tirs au jugé. Ah voilà, le tir allié que je vous parlais, il m'avait trop peur, je lui ai tiré dessus, voilà, enfin je suis mort. Donc oui, j'en revenais. Voilà, là par exemple, vous voyez, je suis à 24 sur 25, je vais débloquer mon défi en or bientôt. Pas ici, là ça va être à la grenade, donc c'est pas balistique. Ça va être au prochain kill. Voilà, juste avant la fin de la game en plus. Non mais j'aime beaucoup, ça rajoute des points en plus, ça fait un peu d'XP et tout ça. Non, c'est sympa. Après, voilà, je vous dis, moi pour l'instant je préfère, vous verrez sûrement beaucoup plus de hardcore que de normal sur ma chaîne. Sauf si on fait des games en ligne de front, c'est un mode de jeu que j'apprécie bien, avec la team, c'est sympa. Donc voilà les gars. Donc voilà, récapitulatif de la vidéo. J'aime beaucoup ce jeu, je suis très surpris de ce jeu, la communauté me fait parfois chier, mais c'est comme ça. Allez les gars, un petit like pour me soutenir si vous êtes d'accord avec moi, un petit commentaire pour m'aider à progresser dans les vidéos, et surtout un petit partage si vous pensez que la vidéo peut intéresser des amis à vous. Les gars, c'était tout pour moi. Peace.